Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Zefanit Dvorah Bat Esther Moshe Michael Ben Sultana et Moshe Michael Ben Machla Rachel. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude, Michel a contacté la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Yevamot. Perek Tet Vav Mishnatet. Nitani Ben Bimdinat Hayam Vamra Met Beni Vachakach Met Baali. Nehemenet. Met Baali Vachakach Met Beni Ena Nehemenet Vechoshim Lidvara Vecholetzet Velo Mitya Bemet. J'ai introduit un petit peu la notion de la Mishnah précédente aussi. On a trois Mishnah sur le même principe. Selon la Torah, initialement, pour pouvoir permettre... Scène. D'abord, on pose la scène. Une femme qui est partie à l'étranger avec son mari, et qui revient, qui nous dit que son mari est mort. Est-ce qu'on la croit ou pas? Selon la Torah, on ne pouvait pas la croire, parce qu'une femme, tout pour pouvoir permettre n'importe quel interdit, dans la Torah, il faut deux témoins, nécessairement. Maintenant, situation très bloquante, vous imaginez bien. Du coup, Chachamim ont donné plusieurs dérogations. En l'occurrence, une femme peut venir nous raconter que son mari est mort, et dans ce cas-là, on la croira. D'accord? On la croira, et c'est fondé sur ça, sur le Gemara explique comment c'est possible de permettre une chose pareille. En tout cas, c'est fondé. Si c'est fondé, alors on pourra la croire, on croira la femme, elle sera crue pour elle-même. Ce qu'on a découvert, en fait, dans ce qu'on découvre dans notre Mishnah, dans la Mishnah précédente et de nouveau dans notre Mishnah, c'est le principe de la chazaka. Soit, ce que je permets une femme à se remarier, c'est que parce qu'elle ne va pas contredire une chazaka. Une chazaka, c'est quoi? De manière générale, c'est un état initial qui a peut-être changé de statut. Dans le doute, suppose que les choses ne changent pas de statut. D'ici le prochain cours, je vais réussir à dire cette phrase sans me juger. D'accord? Je reprends. Il y a par exemple, quelque chose qui est pur, peut-être que quelqu'un d'impur l'a touché, peut-être oui, peut-être non, dans le doute, tu fais quoi? Les choses ne changent pas de statut. Chazaka. On suppose que les choses n'ont pas changé d'état. Jusqu'à preuve du contraire. Selon ce même principe, maintenant, on découvre dans nos Mishnayot, quelque chose, ce même principe maintenant adapté au témoignage de la femme. La femme va à l'étranger. Elle revient, elle nous dit qu'elle a eu des misères, son mari est mort. Et donc elle veut maintenant faire avancer sa vie, continuer à faire autre chose. Selon le cas, ça peut être soit se remarier avec un étranger, parce qu'il n'y avait pas de misère de Yiboum, ou selon le cas aussi, ça peut aussi inclure, au contraire, de faire la mitzvah de Yiboum avec son beau-frère. Elle vient nous raconter, est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas? Alors là, la Mishnah, maintenant la Mishnah nous apprend quelque chose de super, qui nous dit que tu crois la femme que si elle continue avec la chazaka qui était devant nous. Et il y avait un certain état, elle nous dit que les choses n'ont pas changé d'état, il y a juste son mari qui a disparu de la circulation, on va pouvoir lui dire, mais tu sais quoi, alors c'est bon, avance selon le principe. Ça veut dire quoi plus précisément? Alors on commence à faire le cas, à exposer le cas de la Mishnah. Nitan li ben bimnatayam. Elle est partie, elle était un jeune couple, sans enfant. Ils sont partis, donc s'ils sont sans enfant, regardez bien. Sans enfant, si un mari nous dit son mari est mort, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on voyait son mari mourir, qu'est-ce qu'elle ferait? Ah, pas d'enfant, elle fait le hiboum avec son beau-frère maintenant. Ouais, elle est partie avec son mari Réhouven. Réhouven, imaginez qu'on sait qu'il est mort, elle devra faire le hiboum avec Shimon. Donc selon ce principe, si elle va à l'étranger, elle va nous raconter des tas d'histoires merveilleuses. Mais qu'au bout du compte, son mari a fini par mourir. Ben, elle sera crue pour nous dire qu'elle est comme à l'état où elle est partie, qu'elle n'avait pas d'enfant, donc en théorie, son mari meurt, elle doit faire le hiboum, qu'elle nous raconte tout ce qu'elle veut. Si elle vient, au final, elle nous dit, il y a eu plein de choses qui sont passées à l'étranger, mais aujourd'hui, elle doit continuer la même situation comme si elle n'avait jamais eu d'enfant, on la croit. Mais si elle va nous raconter qu'elle a eu des enfants en route, et que ça a changé de statut, on ne pourra plus la croire. D'abord, on fait le cas dans la Mishnah pour les réexpliquer un peu mieux. Nitan li ben bimnat hayam. J'ai eu un garçon quand j'étais à l'étranger. Donc elle est partie sans enfant, quand elle était là-bas, elle est partie en Amérique, elle a eu un garçon, par exemple, et après, Vamra, et après nous dit, Met Beni, mais malheureusement son fils, il est décédé un an après la naissance. Et après, Vahakar Met Bali, après c'est son mari, Birlal, qui est décédé. Némenet, elle sera crue, et qu'est-ce qu'elle fera? Le hiboum. Elle est partie, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, donc... En l'état, son mari meurt, elle doit faire le hiboum. Elle est partie pour 5 ans, 8 ans, 12 ans.
Elle revient nous raconte qu'elle doit toujours faire la mitzvah de Yiboum maintenant parce que son mari il est réellement mort. C'est parfait. Elle contredit pas. Elle contredit pas la chazaka qu'on avait. Par contre, si elle va contredire la chazaka en nous disant que quoi, Met Baali, son mari il est mort, ve'acharkach Met Beni, après son fils il est mort. Donc en l'occurrence, elle nous dit ouais, quand j'étais en Amérique, j'ai eu 5 enfants. Après, le mari il est mort, donc elle était veuve, mais elle n'avait pas de mitzvah de Yiboum. Après, malheureusement, ses enfants sont morts, elle a toujours plus de mitzvah de Yiboum, vous savez bien, vous savez ça, ouais. On s'intéresse au moment où le mari meurt. S'il meurt sans enfant, elle doit faire le Yiboum. S'il meurt, mais qu'il a des enfants, il ne devra pas faire le Yiboum, même si finalement, son fils va mourir 2 heures après. Parce qu'au moment de la mort, il n'y avait pas de mitzvah de Yiboum. Donc du coup, ouais, précision évidente, j'espère que vous avez essayé le cas depuis longtemps déjà. Donc du coup, maintenant, je reviens sur notre cas. Elle vient, elle nous raconte, ouais, elle a eu, quand elle était en Amérique, elle a eu 5 enfants, son mari, il est mort, ils l'ont enterré. Et puis, au bout de 2 ans, les 5 enfants, ils sont tous morts. Aujourd'hui, elle revient, après 12 ans, elle nous raconte qu'elle veut se remarier, maintenant, refaire sa vie, elle est revenue tenter sa chance en Israël. Elle a malheureusement plus de mari, plus d'enfants. Elle veut se refaire une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ça va pas du tout. Quand tu es parti en route là, tu n'avais pas d'enfants. Si tu n'avais pas d'enfant, si à ce moment-là ton mari il mourait, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais dû faire le hiboum. Tu ne peux pas changer ce statut grâce à ton témoignage. C'est-à-dire, on va supposer qu'en théorie, tu dois te remarier avec ton beau-frère. Maintenant, bien évidemment, on ne va pas dire d'aller te marier avec lui parce que tu te rends compte que tu as eu des enfants. Tu es aussi partiellement crédible quand même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander à ton beau-frère, maintenant à Shimon, de faire la khalitza et seulement après tu pourras te remarier. Elle ne pourra pas venir nous raconter que maintenant, aujourd'hui, elle peut se remarier. Parce qu'elle est crue pour elle-même. Mais à condition qu'elle ne change pas le statut. Le statut, c'est-à-dire, c'est quoi le statut? Que selon l'état où elle était préposée à faire le hiboum au cas où son mari mourait, si elle revient elle nous dit effectivement elle doit faire le hiboum, on lui dit ouais, tu peux faire le hiboum. Mais si elle était préposée à ne pas faire le elle était préposée à faire le hiboum initialement, mais au bout du compte, elle nous dit non, mais finalement, les choses, les données ont changé, on va lui dire écoute, là, tu es plus crédible, on va quand même craindre tes paroles. Tu nous racontes que tu as eu des enfants et qu'après ton mari il est mort. Et après c'est toi qui est... après c'est les enfants qui sont morts. Donc tu nous dis qu'il n'y a pas de hiboum. On peut l'entendre, mais en tout cas, on ne va pas te permettre sans faire khalitza. On va demander au beau-frère de faire khalitza. Et c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Met Baali ve'achavkar Met Beni. Mon mari est mort et après mon fils. Il est parti. Eina ne'emenet, elle n'est pas crue. Elle ne sera pas crue au point au pouvoir. Ou elle pourra partir se marier avec n'importe qui à l'étranger directement. Mais on va quand même craindre ces paroles, que peut-être qu'effectivement, elle n'a pas de mise à l'oeil, boum. Donc on va dire quoi? Elle fera la khalitza, mais elle ne fera pas le yiboum. Ok? Elle devra faire la khalitza avec Shimon, qui est là maintenant, le beau-frère, mais elle pourra strictement pas faire le yiboum, parce que là, selon ses dires, eh bien, il n'y a pas de yiboum. Puisqu'elle a eu, elle avait des enfants au moment où son mari est décédé. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, salam.